pour cette manifestation extraordinaire. Thank you.
l'homme sur la terre est celui de soldat. Que Dieu nous aide à rester de bons soldats. Amen. Bon esprit, Père Céleste, nous te remercions pour les bénédictions que tu accordes à chacun de nous. Nous te remercions pour la bénédiction particulière que tu déverses sur ce lieu. Nous te remercions pour ta présence dans ce lieu. Son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Amen. Amen. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon. N'est-ce pas? Amen. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce matin, j'ai dit que nous allons assister à la résurrection de ce lieu du culte. En fait, c'est une grande joie. Nous assistons à cette nouvelle naissance et nous voulons remercier le Seigneur pour ce fait. C'est une grande joie pour nous d'être ensemble et une grande honneur de vous recevoir et d'être ensemble cet après-midi dans ce lieu de prière, ce lieu d'adoration, ce lieu du culte. Je voulais vous présenter les personnes qui sont avec moi sur la chaire. À ma gauche, à votre droite, frère Pascal Rosamond, il est l'ancien responsable de cette communauté. De ses côtés, pasteur Frédéric Roger, il a coordonné les travaux et c'est un peu grâce à son effort que nous avons pu être présents ce soir pour cette inauguration. À ma droite, à votre gauche, pasteur Jacques Land, il est le pasteur de cette communauté. Et donc, il a la responsabilité maintenant, avec l'aide des membres de cette Église, faire le nécessaire pour que sa croissance soit une réalité visible. À son côté, pasteur Alain Libert, c'est dans la qualité de président de cette mission qu'il a commencé toute la procédure pour cette nouvelle naissance de cette Église. Et donc, nous sommes heureux de sa présence. Et au centre, M. Patrick Lecomte, le maire de la commune de Monseigneurie dans le Grand, le maire. Et nous sommes heureux de le recevoir aussi bien que son épouse. Et que Dieu vous bénisse comme nous avons déjà prié. Nous pensons à vous. Et chers frères et sœurs, chers amis, vraiment c'est une joie de pouvoir vous regarder ici, voir cette église remplie. Et dans mon cœur, j'espère bientôt que nous aurons cette église remplie des membres des alentours, des membres de cette commune. Et nous voulons consacrer quelques moments de témoignage pour pouvoir nous exprimer par rapport à la réunion de cet après-midi, les invités que nous avons et aussi les personnes qui ont participé d'une façon plus active dans les travaux de récupération de ce lieu. Et tout d'abord, nous allons donner la parole à M. Le Comte, M. le maire, pour qu'il puisse s'exprimer, s'adresser à notre communauté. Bienvenue, M. le maire, merci beaucoup de votre présentation. Mes frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis particulièrement ravi d'être ici dans ce lieu de culte, dans cette église que j'ai connue lorsque j'étais tout jeune.
que j'accompagnais ici même mon père, pour ceux qui s'en souviennent, ici, qui était à l'époque, donc il y a une bonne vingtaine d'années, un peu plus même, maire de cette commune. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de joie que je vois donc revivre ce lieu de culte et vous accueillir aussi nombreux. J'y vois particulièrement donc des visages connus, à la chair ici, donc, Monsieur Rosamond, donc le frère Rosamond. Je le dis avec beaucoup de plaisir parce que c'est grâce à lui si la mairie est aujourd'hui protégée, grâce à son métier. Donc, définitivement, c'est lui qui me protège. J'y vois aussi un ami et sa famille très cher à mon cœur qui m'accompagne depuis maintenant quelques mois. Donc, le frère Justin Cador, que vous connaissez, qui est toujours aussi humble, juste à l'entrée donc, de ce lieu de culte, avec toute sa famille, qui m'a accueilli tout à l'heure, dès qu'il m'a reconnu avec ma tignasse blanche, et qui m'accompagne dans cette mission, parce que être à la tête d'une collectivité comme la nôtre, c'est une véritable mission, et il m'accompagne en tant que grand frère, et je lui en suis éternellement reconnaissant. D'autant plus que, comme vous le savez, il a lui-même une très grande mission pour grand nombre d'entre nous, par-delà les océans, à travers donc son action pour la Croix-Rouge, puisqu'il est représentant de Croix-Rouge pour ce bassin Amérique latine et Caraïbes. Et je me rappelle donc des discussions que nous avons eues pour aller secourir les frères et les sœurs d'Haïti. Qu'une reconnaissance éternelle lui soit prodiguée. Et puis bien sûr, vous tous, donc habitants de la commune, et même ceux qui n'y sont pas, mais je reste persuadé qu'ils le deviendront assez rapidement. Et oui, alors un maire, c'est quelqu'un qui accueille. Vous connaissez donc le sacro-saint principe de séparation des églises, et je dis bien des églises, et de l'État que je représente dans ma commune, mais je puis vous dire que on ne peut absolument rien bâtir s'il n'y a pas une parfaite concordance, une parfaite harmonie entre ce qu'on appelle l'aspect temporel, matériel et la spiritualité. Et moi-même qui suis à la tête de cette commune depuis maintenant plus de 8 ans, je peux vous assurer que c'est en permanence que je fais le lien pour faire en sorte donc que les décisions que je prends avec mon conseil municipal soient toujours mises en exergue sur des principes qui sont ceux de la foi, tout simplement, de la foi. Et de la foi en nous tous, en vous tous. Donc, c'est avec une très très grande joie que je vous accueille une nouvelle fois au nom de la commune de Mgr Éco Négrand, au nom de son conseil municipal, mais j'en suis aussi persuadé au nom de toute la population de Mgr Éco Négrand. Voilà, merci, merci d'être venus aussi nombreux. Merci pasteur, merci frère. Amen. Je vous remercie. Chaque communauté a une histoire, nous allons nous rappeler un peu. Monsieur le maire nous a déjà raconté ce que ce lieu signifie pour lui en tant qu'habitant qui a grandi dans cette commune. Et parmi nous, la personne qui a été à l'origine du travail de l'église adventiste dans ce lieu est frère Marie-Madeleine, Maurice, je vais l'appeler, pour qu'il puisse nous raconter un peu les débuts de l'action adventiste dans ce lieu. Chers amis, chers frères et sœurs, monsieur le maire, aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Et tous ensemble, nous devons dire gloire à l'Éternel. Amen. C'est lui qui a implanté Jérusalem ici, amen, au cœur de cette commune Mgr Éco Négrand. Cependant, la chose n'est pas facile. C'est après avoir pris la décision de radier une sœur d'ici,
j'ai écouté bien le comité d'église parler, et ensuite, j'ai levé la main, j'ai dit, prenez quelle que soit la décision que vous voulez, mais moi-même, j'irai la rencontrer. Et en ce moment, il fallait prendre le caillou pour venir ici. Et après, j'allais la voir, et je disais au membre du comité, combien de ceux qui sont allés rendre la sœur une visite? Personne. Même le pasteur qui était là en ce moment. Et l'armée était en train de faire ses routes. Nous sommes venus avec M. Dufournier. Il avait une déesse jaune. Et là, cette déesse était dans la boue, enlisée. Et lorsque nous sommes sortis pour pousser la voiture, eh bien, on avait un autre plumage. Cependant, il y avait une équipe à la personne de Sir Gobnor. Hélas, elle n'est plus là. La famille Rancy, frère et sœur Rancy. En ce moment, le maire de la commune nous avait laissé l'ancienne école, qui est une musée, je crois, aujourd'hui. Merci. Et alors, M. Adonis me disait, mais il est bon de vous mettre avec le maire pour que vous soyez maire demain. J'ai dit, pour le moment, je suis maire pour l'éternel. Après, on verra pour le maire de la commune. Nous laissons les amandiers, l'église des amandiers, après le service du culte. Et on prenait la voiture, on montait ici. Notre premier repas, c'était là, dans les bambous, au cimetière. Et nous avons mangé très souvent au cimetière avec les morts. Et alors, nous avons tenu une campagne d'évangélisation. Mais mon cinéma n'était pas comme ça. Lorsque nous avons tenu cette campagne, c'était M. Le Camp, père, docteur Le Camp. Nous nous connaissons très bien, nous avons fait bon ménage. Et alors, après, les habitants de Montsinéry, très gentils, très motivés, nous ont dit non, vous n'allez pas partir. Et M. Sefo, qui a sa maison à Langres, il a monté quelque chose pour nous en forme d'église. Et nous avons fait une classe d'alphabétisation. Et qui enseignait, eh bien, vous la connaissez très bien, c'est sûr que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Vous la connaissez très bien. Et alors, lorsqu'elle ne pouvait pas, c'était moi qui prenais la relève. Et un jour, pour raccourcir, il y a le curé qui faisait le tour et disait aux habitants de ne pas venir chez les adventistes. Alors, Ruffet est venu me dire, ah, j'ai dit, mais laissez le curé tranquille, moi je prépare mon message, alors il faut me laisser tranquille. Et en commençant la réunion le dimanche soir, le curé s'est assis auprès de Ruffet. Eh oui, et moi je prêchais. Et après la prédication, je me suis mis près de la porte pour saluer ceux qui sont venus. Et le curé de me dire, vous savez, nous avons besoin d'un homme comme vous pour vous envoyer étudier la théologie. Et bien, c'est pas mal, l'idée elle est bonne. Nous allons voir. Et alors, la division interaméricaine avait déjà voté pour que j'aille à Coulonges avec Ruffet. Et c'est là que j'ai étudié la théologie. Et nous avons, en revenant, nous avons tenu des écoles bibliques de vacances. Juste une mère disait à sa fille, mais voilà, monsieur Marie-Magdeleine, lorsque j'étais enfant, il nous enseignait beaucoup de choses. Et l'enfant était bien étonné. Dieu nous a permis de faire beaucoup de travail. Mais parmi les administrateurs que j'ai connus en Guyane française, il y a un qui m'a marqué dans plusieurs sens, plusieurs domaines, c'est Judith Imamir. Il me disait dans certaines circonstances, frère Andiou, quittez bon Dieu dirigé. Pas dirigé ou même quittez bon Dieu dirigé.
Et lorsqu'on n'a jamais fait cette expérience, on ne sait pas, monsieur le maire. Ce qui fait, pendant que j'étais à Collonges en train d'étudier, on a fait l'inauguration. Mais le temple n'était pas comme ça. Et avant de partir, j'avais fait l'acquisition, car le commissaire de la brigade criminelle, avait refusé de vendre ce terrain pour les Adventistes du septième jour. J'ai fait des démarches auprès de lui, on se connaissait. Alors j'ai dit, je vais acheter le terrain. Il m'a dit, alors nous sommes d'accord. Je suis allé voir le notaire, nous avons fait ce qu'il fallait faire, et Pasteur Labétan, qui était président de la mission de la Guyane française, a fait l'acquisition de 4 portions. Il n'y a pas 2 portions, 1 portion, il y a 4 portions. Et alors vous voyez que Dieu aime ses enfants. Amen. Dieu nous aime. Et Dieu accordera une double bénédiction à monsieur le maire. Amen. Pourquoi? Parce que ce que nous avons fait ici, il va nous donner aussi la possibilité, comme son père, pour que nous puissions faire quelque chose aussi à Tony Grande, car c'est Montinéry Tony Grande. Oui, il faut que nous y allons, car Dieu nous a dit, Jésus nous a dit une chose, il faut aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Monsieur le maire, vous avez déjà une jambe, un pied dans l'église adventiste, car vous nous appelez frères. Et c'est vrai, vous faites partie de la congrégation déjà. Et nous allons continuer à prier pour vous, pour bien administrer les deux communes, Montinéry et Tonnegrande. Nous allons continuer à prier pour vous. Et je souhaite à Pasteur Land bon courage, et je serai là si toutefois il a besoin de mes services, je serai là pour l'épauler. Amen. Je fais ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, en face, vous voyez, les personnes comme les choses ont toujours une histoire, et parfois une histoire longue. C'est intéressant de nous rappeler de l'histoire de ce lieu. Et ça fera partie de notre culture, de notre identité aussi. Le temps passe, les années passent, et nous arrivons au présent. Et Pasteur Alain Libert, il était président de cette mission quand il a pris avec son équipe la décision de faire le nécessaire pour ouvrir de nouveau ce lieu. Et donc, bienvenue aussi Pasteur Alain Libert, et nous allons écouter un peu l'histoire maintenant de nos jours. Merci Pasteur. C'est vrai que ce lieu a une histoire longue, fascinante et en même temps intéressante. Lorsque je suis arrivé en Guyane pour la seconde fois, en 2007, pardon, les plans pour la renaissance de ce bâtiment et de la communauté étaient déjà là. En fait, mon collègue d'alors, pasteur Daniel Carvet, m'a donné les informations que je devais avoir en ce qui concerne les différents projets de la mission. Et notamment, il y avait un travail qui était en marche pour la réouverture de ce lieu de culte. Et à l'époque, c'est le pasteur Kiko qui était chargé de commencer les démarches, tant au niveau administratif et les prospections en ce qui concerne l'état du bâtiment et le coût. Pour ceux qui font partie de la communauté, savent bien que Pasteur Kiko est en partie. Nous avons attendu quelques temps et puis nous avons fait ce qu'il fallait faire au niveau administratif en prenant une décision qui nous donnait l'autorisation de pouvoir lancer les opérations, à savoir chercher une entreprise et commencer les travaux. Nous avons certainement, avec l'administration qui a changé après mon arrivée, puisque mon collègue Carpet est en partie à la retraite, d'autres collègues sont venus me rejoindre et nous avons
commencer les activités, les travaux en particulier. Nous avons été surpris parce que le coût initial s'est au moins multiplié par 3 ou 4. On peut comprendre déjà la difficulté, mais aujourd'hui, comme tous ceux qui ont pris la parole avant moi, je veux louer le Seigneur qui, je pense, approfondit, fait résider dans notre esprit des éléments pour nous inspirer en ce qui concerne la mission qu'il nous a donnée. C'est vrai qu'il n'y a pas seulement 2 ans que nous travaillons à la réhabilitation de ce lieu, mais les événements nous montrent que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait ce lieu ici. Et c'est certainement aussi un message pour chaque croyant adventiste de tout mettre en œuvre pour que la lumière de l'Évangile puisse continuer à resplendir ici comme ailleurs. En tout cas, je veux, avec cette partie de l'histoire de ce lieu de culte, féliciter et remercier tous ceux qui ont participé avec nous, je veux parler de l'administration, tous ceux qui ont choisi d'apporter une contribution volontaire pour qu'aujourd'hui, la communauté adventiste soit dans la joie de pouvoir ouvrir ce lieu, mais aussi rendre gloire à Dieu. L'autre élément à nos propos, ce serait, maintenant que le lieu de culte est ouvert, il y a certainement une nécessité de passer à d'autres actions. Ce lieu est appelé certainement un lieu de prière, mais c'est un refuge. Refuge pour toute personne qui est à la recherche du bonheur. Toute personne qui est à la recherche de la paix de l'esprit, la paix du cœur. Et toute personne qui voudrait en quelque sorte être accompagnée pour vivre mieux. Et je crois que l'ouverture de ce lieu et ceux qui y ont contribué, ceux qui vont l'occuper, nous donne espoir que tout sera en œuvre pour pouvoir accompagner qui que ce soit. Puisse Dieu venir en aide à tous ceux qui seront les résidents ou les pratiquants dans ce lieu. Merci. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Hubert. Le dernier intervenant, il a été le coordinateur des travaux et je peux vous assurer que c'est un miracle d'être ici, puisque chaque fois que nous parlons de bâtiment, nous parlons d'argent et c'est toujours un grand défi. Mais Dieu est bon. Et vous avez entendu Pasteur Hubert dire, quand on fait les calculs réalistes par rapport au coût, rapidement, le chiffre que nous avons sur une feuille, il est multiplié par 3. Mais grâce à Dieu, je peux dire que ce chiffre qui était sur le papier, il a été divisé par 3. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, il touche le cœur des hommes et des femmes, et qui, par leur action, soit en aidant par le travail gratuit ou avec des offrandes, grâce à Dieu, on a pu réaliser la reconstruction de ce bâtiment. Et donc, Pasteur Frédéric Roger, qui a été le coordinateur des travaux, il va remercier les personnes qui ont participé et montrer quelques photos aussi pour que nous puissions avoir une idée comment le bâtiment était et faire la comparaison pour remercier le Seigneur et nos frères et sœurs qui ont contribué comme nous avons un beau bâtiment aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur. Vas-y, sœur, bonsoir. Parce que la semaine dernière, je suis venu ici pour une dernière intervention. Je ne vous cache pas que j'ai eu un moment d'émotion, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que véritablement, frères et sœurs, lorsqu'il m'a été demandé de pouvoir réimplanter le groupe ici de Montsinéry et la réfection du bâtiment, c'était un grand défi. Un défi historique, un défi technique et un défi financier. Au départ, il était question de pouvoir réhabiliter le lieu de culte. Mais lorsque nous avons commencé la réhabilitation, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait garder. Et finalement, on est tombé carrément dans la reconstruction. On a commencé avec des actions missionnaires,
avec un groupe de frères volontaires de Cayenne qui sont montés pendant des mois, voire des années, et qui ont touché beaucoup de personnes sur le territoire de la commune, et je les remercie. Nous avons travaillé sérieusement, il y a beaucoup de gens qui sont montés régulièrement et qui ont contribué à pouvoir faire connaître, recommencer l'implantation de ce lieu de culte. Nous avons des remerciements que nous voulons adresser à tous ceux qui ont contribué financièrement, mais aussi de manière bénévole à la réalisation de ce lieu de culte. Amen. Amen. Nous remercions tout le monde, mais cependant, il y a des personnes remarquables sans lesquelles ce lieu de culte n'aurait pas pu voir le jour. Tout d'abord, j'aimerais que nous puissions remercier de manière particulière notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je peux vous dire que ce n'était pas facile, mais Dieu était avec nous. Je vous demande d'applaudir le Seigneur. Je voudrais remercier aussi de manière particulière Monsieur le maire, Monsieur Patrick Legrand, qui est un homme très intelligent, très ouvert d'esprit. Lorsque je l'ai rencontré, mandaté par l'administration, sortant de la mission, il nous a facilité les démarches, comprenant que c'est le Seigneur qui l'avait mis à cette place et que c'est le Seigneur qui va le bénir et qui va bénir sa commune à travers notre action. Merci, Monsieur le maire. Je veux remercier aussi de manière particulière l'administration sortante, le pasteur Alain Libert, le pasteur Jacques Lang, le frère Jean-Odnel Ulysse, pour la confiance qu'ils m'ont accordée, pour également l'aide, le soutien indéfectible et les conseils qu'ils m'ont apportés. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais remercier également l'administration présente, le pasteur Antonio Lopez Amorim, qui est arrivé au moment des finitions et qui s'est montré très dynamique. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé, et c'est pour cela également que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Amorim. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre famille. J'aimerais également faire remarquer qu'il y a des laïcs. Voilà, merci. Il y a des frères laïcs qui se sont distingués par leur bénévolat, je souligne, bénévolat, et ces frères méritent vraiment, vraiment nos applaudissements. Nous avons l'entreprise ERG qui a réalisé le gros œuvre. Alors c'est marrant, je dis l'entreprise, le ERG, mais c'est une seule personne. Il y a deux personnes en réalité qui ont fait le gros œuvre. Demandez-moi comment ils ont fait, je pense que les anges étaient là. Je ne peux pas expliquer. Deux personnes, c'est faramineux. Et bien sûr le frère Julien Joachim qui était son collaborateur. Amen. Amen. Nous aimerions remercier de manière particulière l'entreprise Tigre, S-A-R-L, qui a réalisé les travaux de terrassement et de parking. Je souligne que tout cela était également bénévole. Gloire à Dieu. Dans le cas extraordinaire dans ce pays. J'aimerais également remercier de manière particulière M. Hector Girier Dufournier, également qui était avec l'entreprise Tigre pour les travaux de terrassement et de parking. Merci beaucoup, monsieur et madame. Monsieur et madame Julien Dufournier. Merci. J'aimerais également remercier de manière particulière monsieur Pascal Rosamond, qui s'est distingué également au niveau. Si vous savez que nous sommes également protégés par ici, par une alarme, par deux alarmes. Et la clôture également. Donc, merci beaucoup. Frère Rosamond Pascal. Nous avons également des jeunes, des adultes qui ont contribué notamment au niveau, je les appelle les héros. Héros de quoi?
les héros du nettoyage. Les héros du nettoyage sont venus plusieurs fois et ils ont dû nettoyer le... Oh là là, il y a un héros là. Ils ont dû nettoyer plusieurs fois le chantier et ça a permis que le chantier, vous voyez comment il était beau après. Et véritablement, ils ont fait un travail extraordinaire, formidable, le travail qu'ils ont effectué pour la réalisation. Et enfin, pour terminer, nous aimerions remercier d'une manière particulière les frères et sœurs de l'église Ebenezer. Amen. L'église de Roura, qui a contribué financièrement avec les fonds de l'église. Je tiens à le souligner. Roura, une belle contribution financière. L'église de Saint-Georges, qui sont sortis de Saint-Georges, qui sont montés ici pour donner un peu de développement. Les frères de Moria, amen. Les frères de Simon, amen. Alors, excusez-moi, parfois, on est tellement occupé, il y a des gens qu'on oublie. Pardonnez-moi, franchement, pardonnez-moi si j'ai oublié quelqu'un cet après-midi. Pardonnez-moi, ne soyez pas trop durs avec moi. Mais je cite ceux que, vraiment qui m'ont marqué. Et bien sûr, le corps pastoral également, qui est venu, qui a donné un coup de main. J'ai même surpris Pasteur Amoré en train de donner quelques coups de marteau. Eh bien, amen, le corps pastoral. Et il y a une famille qui s'est distinguée également au niveau des finitions, de la décoration. Il s'agit de la famille Jacques, le prénom, j'ai oublié, de ton épouse. Léontine Landre, ainsi que la famille de son fils également, pour la décoration, pour les finitions, Charles et son épouse. Je tiens également à les remercier. Amen. Amen. Et j'ai découvert que Pasteur Landre avec elle. C'était une remercie. Gloire à Dieu. Eh bien, nous remercions toutes ces personnes qui se sont distinguées véritablement. Et je ne vais surtout pas oublier que lorsque nous avons fait des coups de main ici, il y avait des sœurs de plusieurs églises, des épouses qui ont gracieusement offert leur repas. Et l'épouse de Jean Odnel et beaucoup d'autres personnes, et je les remercie chaleureusement. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que... notre bénédiction et nous te sommes reconnaissants. Amen. Dans la parole de Dieu, dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 3, verset 15, l'Église est appelée maison de Dieu. Je lis, la maison de Dieu qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Ce lieu de culte, ce lieu de prière est appelé l'Église de Dieu vivant. C'est un Dieu vivant, un Dieu que nous connaissons. Amen. Amen. Par notre expérience, notre relation avec lui, nous savons qu'il existe, nous avons une expérience avec lui, il est vivant. Il n'est pas une théorie, une philosophie, il n'y a pas que des mots sur une feuille de papier, il est le Dieu vivant. Amen. Et ce lieu du culte est l'église du Dieu vivant. Amen. Ce lieu du culte est aussi la colonne et l'appui de la vérité. Dans les temps anciens, une colonne était un monument de la vérité. L'Église est appelée un monument de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Une question philosophique. Jésus, il a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jean chapitre 14, verset 6. Donc Jésus lui-même, il est la vérité. Mais il a dit aussi, Jean chapitre 17, verset 17, quand il a prié le Père pour sanctifier son Église, son peuple, ses disciples, il a prié, sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc la vérité, c'est Jésus et sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Et ce lieu du culte doit être un monument de cette vérité. Alors, je m'adresse surtout aux membres de cette communauté locale, l'Église Adventiste. Vous avez la responsabilité en tant que disciple de Jésus-Christ de prêcher, de vivre cette vérité. De vivre la personne de Jésus par vos actions, par la manifestation de vos paroles, de votre attitude, de votre style de vie. Oui, nous nous rappelons que Jésus, il nous a dit, toi et moi, Jésus qui nous a appelés pour devenir ses disciples, il nous a dit, vous êtes le sel de la terre, vous donnez la saveur à la terre. Alors, chers frères, vous qui allez former ce groupe de l'Église Adventiste ici à Montsignery, vous êtes le sel de cette communauté, pour donner de la saveur. Par votre témoignage, par votre amitié, par le vécu de votre expérience chrétienne authentique, pas seulement par des paroles, mais surtout par des actions. Le sel pour donner de la saveur, une saveur d'une vie nouvelle, avec espoir, avec espérance, avec foi, basée sur les valeurs de Jésus-Christ telles que l'amour, telles que le pardon, la foi. Jésus, il a dit aussi, Matthieu chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 16, et je vais lire Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà votre responsabilité, votre mission. Être une lumière bien visible. Et Jésus dit que votre lumière luise. Nous ne pouvons pas cacher notre lumière. La lumière que nous portons dans notre cœur, dans notre conscience. La lumière des valeurs chrétiennes, la lumière de la parole de Dieu, la lumière de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pour le vivre au sein de la communauté. Grâce à Dieu, par l'inspiration qu'il nous a donnée, cette Église a un fort message en ce qui concerne pas seulement l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, mais aussi la santé, le vécu familial, l'éducation. Et nous savons aujourd'hui, plus que jamais, les communautés ont besoin de ces messages. Ces messages pour apprendre à mieux vivre, dans le respect, dans le partage, dans l'amour. Apprendre à nous pardonner les uns les autres, à nous respecter tel que nous sommes en tant qu'enfants de l'Éternel. Chaque être humain qui est présenté à nos yeux par Dieu lui-même, notre Créateur, comme précieux. Un être précieux à ses yeux, formé, créé à son image et ressemblance. Et donc, nous sommes appelés, dans le respect, à partager cet amour de Jésus-Christ, ces valeurs de Jésus-Christ, ce message de Jésus-Christ. Et je suis sûr, Monsieur Patrick Lecomte, Monsieur le maire de cette communauté, il sera très heureux de voir une influence positive par l'enseignement de cette communauté adventiste. En ce qui concerne la bonne nouvelle, la parole de Dieu, le message de santé, le message d'éducation, le message pour aider les familles à s'épanouir, à être plus heureux, heureuses, selon les valeurs qui ont été présentées par Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur. Et par la foi, je vois déjà cette communauté grandir. Parce que je crois vraiment que c'est Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appelés ici, dans cette communauté. Parce qu'il a un travail à réaliser ici au sein de cette communauté. Nous avons dit oui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Nous sommes disposés, disponibles, et Jésus va nous conduire. Je remercie le Seigneur
Je remercie encore une fois Monsieur le maire qui nous a permis de réaliser au niveau administratif toutes les démarches nécessaires pour être ici cet après-midi. Je remercie tous les frères et sœurs qui ont participé d'une façon ou d'une autre dans cette heure. Je voulais vous présenter maintenant les noms avant de faire une prière de dédicace, une prière de consécration, les noms des personnes qui vont composer cette communauté. Et donc, au fur et à mesure que je vais les appeler, dans notre pensée, nous avons déjà une prière. Nous les présentons devant le Seigneur et nous prions pour qu'ils puissent, en tant que disciples de Jésus-Christ, accomplir vraiment cette mission. Au fur et à mesure que je vais les appeler, je vais les inviter à venir et se mettre debout ici, en semi-cercle, s'ils sont là. Coco Lucien, est-ce qu'il est là? Il est là, oui. Avancez vite. Coco Monette, Coco Karem, Joachim Joana, pardonnez-moi si mon accent n'est pas le plus correct. Londres Charles, Londres Laetitia, Londres Léotine, Lavalie Ethel, Lavalie Yves André, avancez s'il vous plaît, Agricole Oriana, Rosamond Guillaume, Rosamond Liana, Rosamond Cathy, Rosamond Pascal, chanteur épouse Ulysse Magali, Michel, Ulysse Jean-Denel, Souré Jodny Carole. Nous prions pour vous. Vous pouvez compter sur pas seulement nos prières, mais à tout moment, vous pouvez faire appel à toutes ces églises qui ont déjà collaboré pour les travaux de cette maison, pour qu'elles puissent continuer à aider en ce qui concerne ce travail de partager le message de Jésus-Christ. Nous allons ensemble lire une prière de consécration qui va être affichée. Je vais demander de le faire en cet instant. Et tout de suite après cette prière que nous allons lire, je vais vous inviter, aussi bien que à ceux qui le souhaitent, de nous mettre à genoux pour une prière. Si vous souhaitez rester assis, vous pouvez rester dans cette position aussi. Sentez-vous à l'aise. Nous allons lire tous et les membres de cette communauté, accompagnés par tous les amis, les membres d'église, cette prière de dédicace. Je vous invite, messieurs, à vous mettre debout aussi. Je vais commencer, ensuite je vais m'arrêter pour entendre votre voix. Et lire cette prière bien forte. Et que cette prière ne soit pas seulement une lecture, mais vraiment l'expression de ce qui va dans votre cœur. Nous te dédions ce bâtiment au Seigneur. Si vous voulez bien, nous allons nous prosterner à genoux pour une prière de dédicace. Ceux qui veulent peuvent rester assis. L'Éternel notre Dieu, gloire à ton Saint-Nom en cet instant. Oui, notre cœur est rempli de joie, notre cœur est rempli de ton amour, parce que tu nous as fait preuve encore une fois que tu es bon. Là où nous voyons des difficultés, pour toi, le Créateur des cieux, de la terre, de la vie, de tout ce qui existe, par ta parole, il y a toujours une solution. Et tu as fait preuve encore une fois, tu l'as démontré. Merci Seigneur. Oui, tu es notre espoir, tu es notre soutien, tu es notre force. Nous te faisons confiance. Et en cet instant devant toi, Seigneur, nous te remercions de tous les efforts qui ont été faits par nos amis, par les autorités,
par les professionnels, par les membres de cette église, des frères et sœurs, qui sont touchés par ton amour selon ta volonté, ont ensemble contribué pour la réalisation de ce projet. Nous te remercions aussi pour ce travail invisible de ton Saint-Esprit qui touche pour gagner sympathie, pour gagner la confiance, pour sentir la curiosité et l'intérêt d'apprendre davantage sur toi. Merci Seigneur. Devant toi, en cet instant, nous voulons demander le pardon de nos fautes et de nos péchés pour être en mesure de recevoir ta présence dans notre vie, ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit dirige les responsables de cette Église, les membres d'Église, les officiers d'Église, son pasteur, la famille, les familles qui seront ici ensemble pour prier, adorer et partager ta parole. Amen. Que ton Saint-Esprit dirige selon ta volonté. Nous demandons une bénédiction spéciale pour Monsieur le maire, Monsieur Patrick Lecamp. Comme il a assumé publiquement, il voit sa responsabilité comme un sacerdoce, puisqu'il a en tête le bien-être, l'épanouissement de toutes les personnes qui habitent sur cette commune qu'il dirige. Il a besoin de toi. Protège-lui, Seigneur. Envoie-t-on des anges pour être toujours de ses côtés. Il sait, il est conscient qu'il a besoin de toi. Protège-lui, sa famille, son épouse et leurs enfants. Et nous continuons à prier pour les autorités, comme tu nous l'as dit, de faire dans ta parole. Bénis chaque famille qui est ici, les enfants, les jeunes, les adultes, toute personne, n'importe l'âge, les hommes, les femmes, les membres de cette église, les amis qui nous visitent, membres d'autres églises. Nous avons tous besoin de toi et c'est au nom de Jésus que nous demandons ta bénédiction. Bénis ce lieu par ta présence. Chaque fois que ces portes vont s'ouvrir, pour recevoir ton peuple, pour recevoir des personnes qui viendront dans ce lieu pour adorer, pour prier, pour être ensemble dans ton nom. Que toute la gloire soit donnée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Passer un moment particulier, un moment où nous pourrons exprimer notre générosité. Joseph Lévy et moi, nous nous sommes posé des questions par rapport à cet événement, par rapport à cette dédicace. La Bible nous a permis de trouver des réponses à nos questions. Alors, on s'est dit, les premières lignes de la Bible disent, la Bible commence en disant, dans Genèse chapitre 1, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Première vérité, elle continue en disant dans Psaume 33, le verset 6 et 9, ce qui suit. Qui ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est vrai, Dieu est créateur, la Bible le déclare. Dieu est capable de faire les choses par lui-même. Il se suffit à lui-même. Et pourtant, on se pose la question, pourquoi ce Dieu qui se suffit à lui-même veut collaborer, veut s'associer, veut la contribution des êtres humains? Alors, il y a un écrivain qui s'appelle Paul, un grand écrivain de la Bible, qui a donné un élément de réponse à cette question. Ça se trouve dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Voilà la réponse. Pourquoi ce que vous dites ? Pourquoi parler de la parole ? Pourquoi transmettre la parole aux êtres humains ? Parce qu'en entendant la parole, les êtres humains deviennent de meilleurs hommes, de meilleurs citoyens. C'est vrai que nous préparons des citoyens pour le ciel, mais comment être des citoyens pour le ciel si sur terre nous ne sommes pas de bons citoyens? Et l'apprentissage, ça se passe sur terre. Vous avez la
possibilité, chers amis, de participer à, financièrement à l'avancement du travail qui est fait ici par cette communauté. Alors concrètement, comment ça se précise? Si vous tournez vers la gauche, vous voyez que la clôture est faite d'un côté. Et sur la droite, il n'y a pas de clôture. Ça veut dire que nous aurons besoin de fonds pour terminer cette clôture à droite, à l'arrière et devant. Voilà un premier élément. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis ont été un prêt de l'administration. L'administration nous a prêté ces chaises. Nous devons accueillir nos propres mobiliers, n'est-ce pas? Amen. Voilà un autre élément pour vous permettre de participer financièrement. Autre élément, cette chaire prêtée par l'administration. Merci, Monsieur le Président. Cette chaire n'est pas à nous. Nous devons acquérir une chaire. Quoi d'autre? Nous avons les enfants. Nous aurons formé des hommes. Des hommes qui deviendront de bons citoyens, qui vont apporter leur valeur ajoutée à cette société, à cette ville, à tout ce pays. Nous voudrons faire une salle de culte pour eux, un carbet pour permettre qu'ils puissent s'épanouir et pour qu'ils puissent apprendre à aimer Dieu et à aimer leur pays. Nous avons besoin aussi de votre contribution par rapport à certains achats, d'autres achats de mobilier, un ordinateur pour la trésorerie, pour le secrétariat, d'autres achats que vous pouvez imaginer, tout ce qui permettra à cette église d'avancer. Voilà, nous allons passer dans les rangs avec ces corbeilles. Donnez avec votre cœur, donnez avec votre générosité, donnez parce que cette action, elle peut, Dieu veut que vous participiez, vous collaboriez ensemble. Vous pouvez faire vos chèques à l'ordre de la mission adventiste, vous pouvez donner en espèces aussi, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous chanterons « Où est ton trésor ?» Là où sera ton cœur. Jouons le ramassage. Donc nous chanterons le couplet et vous chanterez avec moi. L'argent ne suffit pas pour vous rendre heureux. Samedi matin, à partir de 9h, nous allons être ici. Nous invitons ceux qui le peuvent à s'y rendre d'ailleurs, puisque nous serons ici le samedi, mais toute la semaine, cette semaine qui arrive, jusqu'à samedi 13, donc nous allons avoir une semaine de prière. Nous disons une semaine de prière des jeunes, mais c'est une semaine de prière où sont invités tous ceux qui voudraient prier ici même à l'église de Montsinéry. Avant de partir, je vais vous inviter en sortant à prendre votre droite juste pour une petite collation. Pour l'instant, je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons faire une prière pour remercier Dieu de l'accompagnement de cet après-midi.
Merci Éternel, notre Dieu, notre Père, pour ton soutien. Merci pour ta grâce. Et merci parce que tu as mis dans le cœur de tes enfants le désir d'ériger cet édifice à ta gloire. Merci parce que tu veux dans le cœur de chacun faire briller ta lumière. Merci parce que tu veux que nous soyons tes disciples, partageant avec les autres l'amour, la joie, la sainteté et le désir d'une vie éternelle. Et pour l'instant, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa paix et qu'il vous donne chaque jour de compter sur lui, le Créateur du ciel et de la terre, et cela pour l'éternité. Amen. Je vais juste te demander de vous laisser sortir ceux qui sont avec moi sur l'estrade. Et après leur sortie, vous pouvez tout naturellement les suivre. Merci. Mes félicitations les plus sincères, les plus grands pour cette communauté qui est chère à notre corps. Vous êtes avec nous à Monseigneur Tony Grande depuis plus de 30 ans. Nous voyons aujourd'hui s'ouvrir à nouveau ce lieu de culte, cette église adventiste. Et c'est un honneur, et c'est une grande joie pour le maire que je suis et toute la communauté de Monseigneur Tony Grande de vous dire encore une fois que vous êtes chez vous. Bienvenue chez vous. Eh bien, ça fait plaisir de voir que l'église a réouvert ses portes et ça fait remonter des souvenirs à l'époque où on venait travailler ici pratiquement seul à une époque avec nos enfants et puis une ou deux familles et puis des personnes âgées. Mais ça fait plaisir puisque c'est une équipe jeune maintenant. On espère que le travail continuera et que de très bonnes choses seront faites. Je ne me rappelle plus vraiment de la date, mais ça fait assez longtemps. C'était avec Pasteur Sablier. Et Pasteur Sablier m'avait demandé de venir pour renforcer un groupe qui était là. Et j'ai dirigé cette église pendant un certain temps. Et ensuite, je suis parti. Et je suis revenu une seconde fois où j'ai encore travaillé un certain temps. Et comme je bouge beaucoup, j'ai été appelé pour des missions par-ci et par-là. Et je suis resté assez longtemps dehors. Mais avant ça, j'avais quand même un groupe d'une quarantaine de personnes avec toutes les nationalités, africains, brésiliens, haïtiens, guyanais, anglais, un peu de tout le monde. On a beaucoup travaillé ensemble. Et puis, c'est quand je suis parti, il n'y avait personne qui allait les chercher parce que je faisais plus de 120 km chaque jour pour amener les gens à l'église. Chaque sabbat et chaque jour de réunion. Et il me fallait travailler tout seul. Quand je montais en chaire le matin à l'école du sabbat, je redescendais après le culte. Et là, comme il n'y avait plus personne pour pouvoir les emmener, eh bien, après, quand je suis revenu, j'ai trouvé l'église fermée. Et là, il n'y avait plus personne, c'est resté un certain temps fermé. Ah, mais pour mon retour, j'ai dirigé une semaine de prière, ou après la semaine de prière, il y a eu 4 baptêmes, et c'est là qu'on a réouvert. Et c'est quand je suis parti, malheureusement, l'autre fois, que ça n'a pas continué, parce qu'il n'y avait personne pour aller chercher les enfants partout. Et maintenant que ça réouvre, c'est une très bonne chose, et je suis très content de voir que dans la commune de Montsinéry, il y a encore un lieu de culte que j'avais un peu rénové parce que c'était abîmé. Bon, avec le temps, ça s'est encore abîmé. On l'a reconstruit et c'est une très bonne chose pour la commune de Montsinéry. Les souhaits pour l'avenir, c'est que l'église se remplisse. J'ai quand même une pensée pour certaines personnes qui ont travaillé avant moi et avec moi. Il y a eu la famille Rancé avant moi. Il y a eu frère Serrano
qui a travaillé, Germain, qui a travaillé un certain temps avant moi, avec moi. Il y a eu la famille John Paul, qui a travaillé un certain temps ici. De fil en aiguille, il y a des gens qui ont travaillé, qui sont encore là. Il y a de ceux qui ne sont plus, mais il y a de ceux qui sont encore là. L'ancienne génération est partie, c'est une nouvelle maintenant. J'espère que ça continuera et que beaucoup de personnes à Montsinéry se donnent à Dieu et que cette église grandisse et fleurisse à nouveau. C'était la toute première fois que je viens à l'église de Montsinéry. Je sais qu'il y avait eu un groupe à un certain moment et que finalement ça s'était fermé. Donc je suis bien heureux de venir à cette nouvelle inauguration à l'église de ce groupe de Montsinéry. C'est pas ma première inauguration d'église, mais je trouve que c'est très chaleureux, une jolie église, on fait du bon travail. Mon souhait, c'est que ça continue de s'agrandir et qu'il y ait toujours plus de membres et que Dieu continue de les aider dans tout ce qu'ils vont entreprendre. On sait que la tâche n'est pas facile d'évangéliser. Montsinéry, c'est une grande commune, donc il y a beaucoup à faire. Donc j'espère que Dieu sera avec eux pour les aider. C'est vrai qu'à ma grande surprise, j'ai vu que c'était quand même quelque chose d'abouti, je dirais, qui rentre aussi dans le cadre, l'architecture notamment rentre bien dans le cadre de la commune. Alors après, moi j'aime bien l'idée d'implanter et de rénover notamment l'église de Montsinéry, parce qu'effectivement il y a du travail à faire, et si on pouvait faire ça dans toutes les autres communes, ce serait bien. Et tout comme le maire a dit à Tony Grant, ce serait bien aussi. C'est bien aussi que les membres d'église aient répondu à l'appel. Donc il y a pas mal de monde autour de cet événement et c'est plutôt pas mal. Après qu'on puisse continuer, pourquoi pas. Et pourquoi pas une école adventiste à Montsinéry, ça serait bien. Alors c'est vrai que je ne me souvenais pas de l'ancienne église, moi particulièrement, mais c'est vrai que c'est vraiment un beau travail. On voit que les gens y ont mis tout leur cœur. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une église ici à Montsinéry, que les gens pourront venir plus près pour louer Dieu, et voilà. Je n'ai pas connu l'autre église, mais je loue Dieu parce que maintenant il y en a une, ça c'est sûr. Et puis j'espère que ça permettra aux frères et aux membres qui sont déjà là de pouvoir inviter vraiment tous ceux qui sont aux alentours afin que le nom de Dieu soit loué. Ben disons que nous sommes très contents de cette réalisation et nous croyons que par ce moyen, les gens de la commune connaîtront le Seigneur et se donneront à lui. Lui, c'est frère Malak Timoléon. C'est un ancien parmi les anciens de la commune, de la communauté de Montsinéry. Il est là depuis très longtemps. Il est, j'allais dire, le seul, le dernier de tous les anciens qui étaient là à Montsinéry avec nous. Non, qu'un chien à part mon premier. Non, pas premier. Dernier. Hein? Bon, enfin, oui. Dernier enseignant. Oui, parce c'est le dernier parmi les anciens. Il est plus qu'il mort. Oui. Il est la bonne peau pour lui. Oui, c'est oui. Grand. Non, non, dit l'église adventiste. Non, l'église adventiste, c'est la dernière, mort. C'est la dernière. Dernière, dit l'église adventiste, dit communauté adventiste qui était là. C'est le dernier des anciens. C'est la mauvaise chose où elle l'a. Mais non, c'est ça que j'attends. Parce que j'étais à Makoya, c'est à Makoya que j'allais tous les samedis. Mmh. Alors là, j'ai dit, je peux parler parce que j'ai opéré mes yeux, je vois. D'accord. Et pour conduire, je ne peux pas conduire bien. Alors moi, je dirais, tout en on apparence, je vais faire l'église de Montsinéry, moi, je ne veux pas. D'accord. Je ne veux pas à l'église. Donc, et ça te fait quoi maintenant? Je prie, je fais mes sabbats. Mais si on ne on va pas pratiquer, ça ne marche pas. Je ne pratique pas mes sabbats, mais quand même tous les vendredis soirs, je prie au bout de mes sabbats. Et les samedi matin, je fais mes sabbats. Et est-ce que tu es content maintenant de voir? Ah mais c'est ça qu'il attend. C'est ce qu'il attendait depuis longtemps, depuis que ça a été fermé. Il attendait que ça réouvre pour qu'il puisse revenir. Dernier qui sort de Montsinéry, à l'église Montsinéry, c'est moi avec mon frère. Il est parti maintenant. Ouais. Mon frère Machin. Nous, dès qu'il quitte l'église Montsinéry, parce que quand il prend la clé en bas, nous, il fait oui, une parce, ouais. Parce qu'ils sont restés ici, les deux tout seuls. Après, il y a tous les samedis à l'église. Ils venaient tous les deux tout seuls ici jusqu'à ce qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas rester tous les deux là tout seuls. Et on a pris la clé puisque c'est lui, il était aussi diacre. Il était aussi diacre, donc
il continuait. Et là, quand on a appelé Clipus qui ne pouvait pas rester tout seul là, et à ce moment, il est allé à l'église à Makouya. Une chorale avec les Amérindiens pour nous permettre de chanter Palikour. Donc ce sera comme un centre d'influence. Ils vont nous apprendre le Palikour, nous allons leur apprendre à chanter et voilà, on va pouvoir jumeler avec eux et faire des activités. Maintenant, la commune de Montcinéry est une commune où il y a des personnes qui viennent maintenant dans cette commune. La commune est en train de s'étendre, de s'agrandir. Et nous avons vu des bâtiments en construction. Donc l'idée est que les nouveaux membres très vite puissent remplir cet édifice. Donc nous avons l'intention d'avoir pas beaucoup de petits groupes, mais nous avons ciblé Risque-Tour. Nous avons Risque-Tour Est, Risque-Tour Ouest, où il y a des cellules d'adventistes parmi nous qui habitent dans ces coins-là. Et notre intention, c'est d'avoir des cellules qui s'agrandissent dans ces contrées, dans ces coins-là, pour permettre à cette église très bientôt d'être trop petite et pourquoi pas avoir une église à Risque-Tour. Ou à Tournée-Grande. Oui, ou à Tournée-Grande. Ou à Tournée-Grande. Bon, je dis Risque-Tour parce que j'habite Risque-Tour, c'est vrai. Mais ça pourrait être aussi à Tournée-Grande, pourquoi pas. Mais on se dit déjà, ici c'est quoi, 90 places. Ouais. On se dit 90 places, on va très vite remplir cette église. Okay, donc vous allez risquer le tout pour être à Risque-Tour. On risque tout pour être à Risque-Tour. Okay. Mais pour l'instant, on fait le maximum pour que ceux qui sont là puissent donner une image qui soit une bonne image à la population et permettre à la population de comprendre que nous n'allons pas uniquement prêcher, mais nous allons aussi vivre ce que nous disons. L'amour, le partage, le service, apporter un plus à la population. Merci beaucoup, pasteur. C'est la joie, c'est la joie, c'est vraiment la joie, surtout que les habitants d'ici avaient vraiment besoin. On avait l'habitude de venir, mais c'était pas comme ça, mais là vraiment c'est grandiose quoi. Je me rappelle que c'était le frère John qui avait prêché ce sabbat matin, et vraiment de revenir là, ça fait chaud au cœur, et vraiment je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour que l'église... le souhait, c'est que ceux qui sont en poste soient à l'écoute du Seigneur et puis ne parlent pas non plus en faisant la tête baissée, quoi. Qu'ils soient à l'écoute de Dieu. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Hein, quand que l'Évangile soit prêché dans tout le quartier, d'accord. Comme c'est un petit quartier, et que tout le monde entende la parole de Dieu. J'éprouve un sentiment de grande joie. Et surtout le sentiment du devoir accompli. Parce que l'administration de la mission m'a confié un grand défi à relever, puisque je n'ai jamais conduit la construction de bâtiments en bois. Je l'avais déjà fait avec un édifice en ciment pour la rénovation de l'église de Kourou. Mais là, c'était vraiment une première pour un bâtiment en bois. Et c'était quelque chose de vraiment formidable de voir la main de Dieu agir à chaque étape de la construction. Alors, nous pensons que maintenant, les fidèles ont un lieu agréable, un lieu spacieux pour adorer le Seigneur. Et nous croyons sincèrement que la vérité sera prêchée avec puissance et que des âmes sincères de Montcinéry vont venir adorer le Seigneur et seront sauvées. Gloire à Dieu pour ses bienfaits. Alors, c'est un édifice qui a été construit essentiellement par l'entreprise ERG. C'est un frère qui était accompagné d'un autre frère et qui ont travaillé, je souligne, bénévolement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé d'être payés. Maintenant, l'édifice a été réalisé de manière extrêmement professionnelle. Ils ont travaillé de manière professionnelle, de manière artistique. Le bâtiment est fonctionnel, le bâtiment est très beau. Et c'est une fierté, même pour le maire de la commune qui a reconnu la beauté du bâtiment. Le bâtiment peut accueillir entre 80 et 100 places. Et le bâtiment possède également à l'arrière des facilités, des toilettes. Et c'est un bâtiment qui est spacieux et qui est très ventilé vu le nombre de fenêtres qu'il possède. Alors, cet espace a été aménagé parce qu'à l'origine, lorsque nous avons commencé les travaux, il y avait un terrain en verdure, en jachère, en friche, si vous préférez, et qui était extrêmement boueux. Et d'ailleurs, plusieurs véhicules se sont embourbés lorsque nous faisions la construction. Donc, le terrain était vraiment impraticable.
et nous avons dû terrasser, faire du terrassement avec des pelles mécaniques. Et ensuite, le terrassement également a été fait par l'entreprise Tigre SARL et par M. Hector Girier-Dufournier, là encore, qui ont bénévolement, on va dire gracieusement, offert le terrassement et le parking de Montsinéry. Alors vraiment, nous sommes contents parce que nous avons de la place. Et il y a même une route qui a été faite par l'entreprise Tigre Sarl derrière le bâtiment et qui permet la sortie des fidèles du lieu de culte sans passer par l'entrée originelle. Donc vraiment, nous avons beaucoup un lieu qui est très agréable, très spacieux et très fonctionnel à Montsinéry. Gloire à Dieu. Alors, bonjour Pascal Rosamond. Alors, comment ça s'est passé? J'ai pris le train en marche. Il y avait déjà cette reconstruction qui était déjà lancée par un certain nombre de frères et sœurs. Et moi, je suis venu un petit peu après habiter sur la commune de Montsinéry. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire de cet endroit l'endroit où je viendrai louer Dieu. Et je me suis embarqué dans cette belle aventure de reconstruction au niveau de l'église de Montsinéry. Et je crois que ça a payé, ça porte ses fruits. Je suis content aujourd'hui de participer à cette inauguration et d'être participant, d'avoir été participant de cette mise en œuvre de l'église de Montsinéry. Eh ben, je crois que nous avons l'équipe que nous constituons dans cette église a pour mission d'aller auprès de la population. C'est vrai que nous avons un accueil favorable de la mairie et de M. le maire et ses administrés. Donc nous irons voir les gens de Montsinéry afin de leur porter l'évangile. Et j'espère que Montsinéry, Tournégrande et puis les d'autres églises vont pouvoir s'implanter assez rapidement dans ce coin de la Guyane. Aujourd'hui a été une journée de fête pour la communauté adventiste de la Guyane française puisque nous avons assisté ensemble, nous avons partagé la renaissance de cette église. J'ai dû une nouvelle naissance puisque après quelques années d'inaction, grâce à Dieu, nous avons pu, avec l'aide des frères et sœurs de l'église, l'aide de l'administration, de la mission adventiste bien sûr, et même la participation d'amis, nous avons pu reconstruire ce bâtiment. Et donc nous remercions le Seigneur, nous voyons vraiment qu'il est à l'œuvre. Son esprit est en train de créer un réveil de mission. Et la Guyane française, c'est une terre de mission. Et c'est dans la mesure où il y aura un engagement de participation par l'effort, par la collaboration aux travaux et aussi financièrement que nous allons pouvoir avancer. Il y a d'autres projets en vue. Nous pensons à la construction de l'église de Saint-Georges. Bientôt, elle sera terminée aussi. Peut-être au mois de mars, nous aurons la joie d'inaugurer cette église. D'autres églises existent déjà dans notre pensée en tant que rêve. Nous pensons à Regina. Depuis un bon moment, la mission adventiste est en train de présenter quelques actions sur place et toujours avec l'objectif d'acquérir un terrain pour y construire une église. Irakobo aussi, Padok, c'est un cas qui ressemble à cette église de Montsinéry. Dans le passé, il y a eu une église à Padok, mais pour des raisons tristes, on a dû fermer cette église du fait que le bâtiment n'était plus occupé, les installations se sont dégradées et nous avons l'intention, avec l'église de Saint-Laurent, de recommencer les travaux pour reconstruire cette église et permettre à cette communauté de louer le Seigneur. D'autres projets sont en cours. À Walla, par exemple, il y a un carbé, c'est déjà un commencement. Et c'est dans la mesure où il y aura cet esprit de partage, de solidarité, puisque nos moyens sont réduits, sont faibles, mais notre Dieu, il est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. L'argent et l'or lui appartiennent. Et donc, il touche les cœurs de ses enfants pour que nous puissions ensemble, sous sa grâce et avec son pouvoir, accomplir les rêves que nous avons dans notre cœur, dans notre pensée, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici en Guyane française.